L'examen du profil psychologique de Maurice Papon se poursuit devant la cour d'assises de Gironde. Et paradoxalement, c'est plus sur la période de la guerre d'Algérie que se portent les projecteurs jusqu'à présent. L'ouverture des archives décidée par Catherine Trottmann permet d'apporter des éléments de confirmation à la thèse de la sanglante répression policière de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961. Dominique Verdaille. Hachmoun Lamera, mort. Derouès Abdelkader, mort. Melkouv Amar, mort. Tous sont des Français musulmans d'Algérie, morts à Paris en 61. Motif de leur décès, homicide volontaire, autrement dit, meurtre. Autre colonne, le nom du magistrat instructeur et surtout la décision judiciaire qui a suivi l'enquête. NL, non-lieu, ainsi la justice a refermé le dossier. Ce document du parquet de Paris sorti des archives fait état d'au moins 70 morts après la manifestation d'octobre 61. 70, 100, 300 morts. Hier à l'audience, Maurice Papon a contesté ces chiffres. Il se retranche derrière le bilan officiel, 3 morts. À la rigueur, il concède 30 décès, mais c'est un règlement de compte interne au FLN, dit-il. Thèse soutenue hier à la barre par un ancien collaborateur de Maurice Papon. Il n'est pas pensable qu'en début d'une soirée, au centre de Paris, sur le parvis Notre-Dame, on puisse assassiner 40, 50 ou 60 personnes sans que personne ne bouge. D'un ton gaulien, Maurice Papon devait rajouter « S'il ne s'agissait que de moi, ça serait peu de choses. Mais la France, tant que j'aurai un souffle, je n'y laisserai pas toucher. » Seulement aujourd'hui, les documents contredisent les dires de Maurice Papon.